forcément de la déception, mais je crois globalement, comme je disais, on est tombé sur une équipe allemande qui était plus forte que nous, du début à la fin, sauf peut-être sur ce double, mais qui comptait plus. Donc voilà, pas beaucoup d'autres choses à dire, si ce n'est que voilà, on va avoir un match de barrage à jouer toujours difficile, et que cette équipe, je pense qu'il y a dans l'esprit, il y a dans la cohésion, il y a des choses intéressantes qui se sont passées sur les derniers mois, et puis y compris cette semaine. Mais sur le niveau, on doit continuer à bosser et continuer à progresser. Dans mon rôle de capitaine de cette équipe de France, je considère que c'est vraiment un rôle élargi, entre guillemets, par rapport à être juste là présente deux semaines dans l'année pour ces rencontres de Fed Cup. On est vraiment sur quelque chose de plus global, sur une aide vraiment... je ne sais pas, de conseillère plus générale, en parlant beaucoup avec les joueuses, en parlant avec leurs entraîneurs également. Donc l'idée, c'est qu'avec Marion, ça se passe aussi de la même manière, en étant présente sur des échanges, sur mon point de vue, sur son jeu, sur je sais pas, ce qu'elle doit faire tactiquement, techniquement, ce qu'elle doit modifier dans sa structure éventuellement si elle me le demande. Et donc je pense que la première étape pour Marion, c'est vraiment de se structurer quand on a cet objectif d'être vainqueur de Grand Chelem. Il faut son staff, quoi. Il faut sa structure. Et je pense que voilà, dans les semaines qui viennent, je pense qu'elle va se structurer tranquillement.